Camara qui tente de changer sur le côté vers Mesba. Mesba qui peut contrôler. Mesba qui rentre dans la surface de réparation. Mesba qui accélère. La frappe de Mesba, il y est ! L'ouverture du score de Léo Mesba à la demi-heure de jeu sur cet exploit personnel de l'attaquant du Sporting. Une accélération, un coup de rein, un crochet et une frappe à bout portant pour l'ouverture du score. Un but que Léo Mesba est allé chercher tout seul, David. Même si l'ouverture de Fode Camara était parfaite, là, c'était la grande classe du côté de Léo Mesba. Chun qui va retrouver Benaïm sur le côté. Julien Benaïm, le grand pont sur Simondi. Il est passé Benaïm qui peut centrer pour Mansey. Peut-être la tête de Mansey, il y est ! Le second but Bastier sur un exploit personnel de Julien Benaïm. Le grand pont, l'accélération, le centre parfait pour Mathieu Mansey qui s'élève plus haut que Charin et qui vient mettre sa tête dans cette lucarne pour le second but de cette soirée. Mais quel travail de Julien Benaïm. Benaïm qui peut trouver Julien Romain. Il n'y a pas de hors-jeu. Julien Romain qui peut accélérer. Julien Romain qui part sur le côté. Julien Romain qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre de Romain pour Benaïm. Le troisième but Bastier pour Julien Benaïm sur ce contre-mêlé à Saint-Lère par les Bastier et notamment Julien Romain. Le centre en retrait parfait. Benaïm, il ne s'est pas posé de questions. Il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de doute. Il est arrivé plein de courses. Frappe, mine, lucarne, 3-0. Simon qui n'a pas de solution. Le bon pressing de Romain qui récupère ce ballon. L'ouverture de Romain pour Mathieu Mansey. Mathieu Mansey qui percute. Mathieu Mansey dans la surface de réparation. Là, il faut frapper. La frappe de Mansey, il y est ! Il est beau. Le doublé de Mathieu Mansey. Le quatrième but du Sporting à la 67e minute de jeu sur un énorme travail. Cette fois-ci de Julien Romain. Il a résisté au retour de défenseur. Il a échangé le maillot presque avec le défenseur. Tant on lui a tiré le maillot à Julien Romain, mais il a quand même réussi à glisser ce ballon à Mathieu Mansey qui est allé réaliser ce doublé face à face avec Charin. Lui aussi, il ne s'est pas posé de questions. Et le quatrième but du Sporting. Julien Romain, le crochet à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Romain, il y est ! Oh qu'il est beau ! Oh qu'il est beau ce but de Julien Romain ! Il peut le faire, son tour d'honneur ! Lui qui était en manque de confiance depuis le début de la saison vient s'offrir un but magnifique. Il ne le doit qu'à lui-même, lui aussi passeur et buteur ce soir. Julien Romain, petite balle piquée à l'entrée de la surface de réparation qui vient se loger sous la barre transversale. Et c'est le cinquième but pour le Sporting à la 70e minute de jeu. Moi je pense que quand même il y a du mieux et plus les journées vont passer, plus on va trouver d'automatisme et des joueurs qui étaient... Et voilà. Et le sixième but. Et le sixième but. Le sixième but et le triplé. Il n'y a plus de suspense. Pour Mathieu Mansey. Troisième but, hat-trick pour Mathieu Mansey sur une déviation du nouvel entrant. On n'avait pas encore prononcé son nom. Jérémy Santini qui venait de remplacer Julien Romain à l'instant. Et Mathieu Mansey qui est servi au cœur de la surface de réparation et qui vient frapper et inscrire ce sixième but